dans le fond, vous n'avez pas de clicker, fait que ça va être soit avec les flèches ou la souris pour faire les flux par le point. Donc, veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. 01. 2MD01. 2MD01. Donc, je vais ouvrir les consignes. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant avec des panneaux qui vont indiquer les 7, 4, 2, ainsi que les 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, veuillez, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Étienne Desfossés, président de Poitou-Trois-Rivières, également secrétaire de la Fédération des droits des coopérations du scolaire et président de l'opérateur émergent du Canada. Donc, président de Nouvelle, président de Poitou-Trois-Rivières et membre du comité des affaires associatives de son équipe de la création du Bonjour, mon nom est Benoît Lamy, je suis dans mon secrétaire sur le conseil d'administration de Poitou. Jonathan Allard, je suis juré comptable, j'ai été associé chez PwC en juré comptabilité jusqu'à tout récemment et je suis maintenant professeur en sciences comptables. Bonjour, moi c'est Guillaume Ricard, je suis coordonnateur marketing. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêt. Donc, bonjour chers membres de Coopsco. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de venir apporter nos solutions à votre mandat que vous avez demandé via notre entreprise Stratégicam. Donc aujourd'hui, Anthony Champagne, Marie Leclerc et moi-même, Guillaume Foucault, allons nous apporter, vous apporter nos solutions. Donc, nous allons commencer avec un court déroulement pour que tout soit bien clair. Donc, premièrement, nous allons parler de la mission de votre entreprise. Ensuite, nous allons parler du mandat que vous nous avez demandé. Ensuite, une analyse FFOM. Par la suite, nous allons présenter nos différentes solutions. Ensuite, un lien avec le développement durable et finalement, une courte conclusion. La mission de votre entreprise est d'offrir à ses membres des produits et des services dans le domaine d'utilité pédagogique, intellectuelle et personnelle. Le mandat que vous avez à faire est de faire connaître le modèle d'affaires de Coopsco, promouvoir votre distinction coopérative. De plus, communiquer votre ADN coop aux membres et partenaires. Et pour faire un lien, utilisez ces distinctions pour fidéliser les membres, même après leur diplomatie. Les formes de votre entreprise sont que vous offriez une large gamme de produits, dont plusieurs produits différents. Vous offrez aussi des cadeaux, des dons, des commandites, vous faites des remboursements. Salaire étudiant et des ristournes à l'achat. Vous offrez du service, des ressources et du soutien aux gens qui en demandent et qui en ont besoin. Vous engagez pour l'éducation et le bien-être des membres, ce qui est très bien. Et les utilisateurs des services ou produits prennent des décisions, ont tous un droit de vote, donc pour exprimer les services qu'il aimerait avoir. Les points améliorés qui seraient fortement conseillés, qui pourraient devenir des forces plus tard, seraient de trouver un bon équilibre entre la vie associative et l'aspect plus commercial de la coopérative, la proximité avec les membres, comme faire des réunions, des rencontres ou même un clavardage. Ce serait d'aller chercher une jeune clientèle du primaire ou du secondaire qui pourrait rester avec vous tout au long de leur parcours scolaire et mettre l'emphase sur la publicité. Les opportunités de votre entreprise, vous allez déménager dans un nouveau bureau, ce qui vous a apporté une grande visibilité et une meilleure qualité de vie.
Vous avez développé le marché aussi, si vous apportez plus de ventes. Vous avez bien évolué comme l'offre. Vous offrez de plus en plus de produits et vous collaborez avec beaucoup d'autres entreprises ou coopératives. Les menaces aussi de votre entreprise seraient les librairies qui vendent aussi des livres, le commerce en ligne comme Amazon qui offre des produits à bas prix. La livraison est très rapide aussi. Et les magasins grande surface tels que Bureau en gros ou Voilà, qui offrent aussi des fournitures de bureaux tels que papier, crayon, comme vous aussi. Une des solutions pour faire connaître le modèle d'affaires sera un espace de clavardage entre les membres de votre coopérative. Donc, ça serait d'offrir à tous les membres un clavardage où que tout le monde peut avoir son point de vue et pouvoir poser des questions entre les membres sur la coopérative. Donc, tous les membres auraient, dans le fond, sont un moyen de communication rapide et efficace. Et pour avoir aussi des administrateurs de Quadco, bien évidemment, qui pourront aussi filtrer, dans le fond, le clavardage ou aussi apporter des modifications à certains messages et aussi peaufiner certaines explications que certains membres pourraient offrir. Vous pourriez aussi offrir des rabais aux gens qui vont vous assembler pour les inciter à y aller. Par exemple, si vous faites des assemblées, que ce soit en présence ou encore, vous pouvez faire en présence et aussi par Zoom ou Teams, ça peut être très intéressant puisque si la personne ne peut pas se déplacer, il pourrait aussi y aller par un lien Zoom ou un lien Teams, comme durant la pandémie, ça a été très utilisé. Donc, ça serait très bien de l'utiliser aussi pour les assemblées. Ça serait aussi un point très positif pour tous les membres. Donc, ils apporteraient des rabais en participant au rang. Aussi, dans l'espace de clavardage, vous pouvez appeler ce que les gens qui vont dans les assemblées pourraient discuter avec d'autres et parler de comment ça se passe. Parler aussi des rabais, cela permettrait donc de répandre plus vite la nouvelle. Ça permettrait aussi peut-être d'avoir plus de gens dans les assemblées. Donc, les décisions vont se prendre avec vraiment tous les membres, la plupart en tout cas des membres de Coopsco qui vont avoir vraiment leur mot à dire. Puisque si les membres ne sont pas là lors des assemblées, c'est là que, dans le fond, il y a moins de votes qui peuvent arriver, donc les décisions sont plus difficiles à prendre. Aussi, les solutions que nous avons trouvées pour promouvoir la distinction coopérative seraient d'aller peut-être participer dans des œuvres de charité. Donc ça vous montrerait l'engagement vers la communauté que vous avez, puisqu'une coopérative est vraiment un lien entre la communauté et les membres de la coop, et pas comme un magasin qui vend pour faire du profit. Donc c'est vraiment un lien entre les deux. Et on pense vraiment que ça serait important de montrer votre engagement vers cette communauté-là. Aussi, des collectes de fonds, comme des marches, des courses ou des rallyes, pourraient aussi montrer l'entraide avec la communauté. Et cela pourrait aussi vous permettre de parler du fait que l'argent que vous ramassez durant les collectes de fonds est vraiment réinvesti soit pour améliorer la coopérative ou pour, par exemple, offrir des rabais lors des assemblées ou pour descendre les prix ou toutes sortes d'autres choses que vous pouvez utiliser, donc cet argent, mais vraiment pour redonner à la population. Donc, aussi, ce qui fait en sorte que vous distinguez des autres compagnies qu'on a parlé plus tôt, comme Amazon ou Bureau en gros, c'est vraiment le fait que vous êtes une entreprise locale. On pense vraiment que c'est ça qui distingue beaucoup de ces entreprises-là. Donc, on sait qu'eux offrent à un plus bas prix, mais ça serait vraiment important de mettre de l'avant le fait que vous êtes une entreprise locale, puisque ça permettrait vraiment peut-être que les gens se sentent inclus, donc peut-être que les gens participeraient à ces œuvres de charité-là, les gens peut-être au collègue de fonds aussi se sentiraient vraiment inclus, et peut-être qu'ils seraient prêts à payer un petit peu plus cher pour redonner à une entreprise locale qui s'implique vraiment en communauté. Une autre solution pour communiquer l'ADN de quoi? Ici, nous avons repris le tableau que vous avez fourni dans l'annexe, dans le mandat, un peu plus loin. Ici, c'est le tableau, c'est une école primaire et secondaire. On voit ici que le nombre d'étudiants n'est pas précisé, mais on s'entend pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans une école primaire la plupart du temps. Cependant, on voit le chiffre de vente qui se situe à 100 000 $. C'est pas votre plus gros point de vente, effectivement, mais je crois que ça serait important de mettre l'emphase sur cette popularité-là, puisque c'est vos futurs clients et ce sera pour vous. Des futures personnes qui vont propager Coopsco
et qui mettront l'emphase sur votre entreprise. De plus, vous pourrez opter pour une plateforme en ligne comme une plateforme linguistique où vous pourriez apprendre de nouvelles langues ou encore exceller dans votre langue de base comme le français ici. Donc, ça serait important d'ajouter ces deux. Ou encore, pour reparler des produits spécialisés, ça pourrait être important d'offrir des livres spécialisés pour les écoles secondaires ou primaires. Ou encore, simplement en offrant un livre qui présente qui est réellement Coopsco, mais adapté pour chaque niveau. Donc, sera la lecture sera facile pour les étudiants, pour chaque niveau, et deviendra, sera qui vous êtes comme coopérative. Une autre solution que nous allons apporter pour fidéliser les membres serait l'achat d'ordinateurs usagés d'anciens étudiants ou encore de départements, par exemple de l'UQTR, pour reprendre des composantes usagées, pour revendre des composantes ou encore fabriquer des nouveaux ordinateurs à partir de ces composantes, que ce soit portable ou une grosse ordi. Donc, vous pourriez tout reprendre, par exemple, encore l'écran, la souris, puis vous pourriez comme tout remettre à neuf ou encore refabriquer les portables ou seulement vendre les pièces comme vous l'avez dit. Vous pourriez aussi offrir un service de location d'ordinateurs usagés. Par exemple, en offrant cette possibilité-là, de nos jours, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter un gros ordinateur à un prix élevé, neuf. Donc, ça serait important d'offrir un service de location d'ordinateurs usagés à bas prix pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, ça rejoindrait aussi l'aspect de votre entreprise qui est l'aspect de communauté et de l'emploi. OK. Un autre solution fidéliser les membres serait que demander plus d'informations à l'institution. Donc, au lieu de demander seulement le 10$ à l'achat et le nom, prénom, vous pourriez aussi demander l'âge, la date de naissance ou même l'adresse, ainsi que l'adresse courriel. On sait que de nos jours, ce n'est pas tout le monde qui regarde leur courriel quotidiennement ou même qui les ouvre, mais seulement le fait de voir le nom, date de la coopérative dans la boîte de courriel, fait que vous le retenez dans votre tête et peut vous inciter à aller acheter à cet endroit par la suite. Et aussi, de faire de la publicité, comme les concours sur Facebook ou Instagram, pour rejoindre une large gamme de personnes, autant les jeunes que les moins jeunes, et aussi faire des collectes de fonds, comme mentionné. Donc, aussi, plus que vous êtes une coopérative qui est impliquée dans sa société, nous avons pensé que c'était une bonne idée de réserver une diapositive, donc au développement durable, puisque les gens aiment voir des entreprises locales qui s'impliquent, donc pour l'environnement ou pour le développement de la société. Donc, ça serait vraiment important au niveau des rencontres en ligne que ça devienne vraiment une coutume, puisque cela permet que les gens consomment moins de gaz, donc ça réduit les. Ça réduit donc le gaz dans l'atmosphère et c'est bon pour l'environnement. Ensuite de ça, on en a parlé beaucoup, l'engagement vers la communauté, ça amène vraiment un développement social donc dans la communauté pour permettre à tout le monde de se sentir inclus et vraiment que les gens se sentent touchés par cette coopérative. Et finalement, comme on a parlé très récemment, le recyclage de composants et d'ordinateurs, ça permet vraiment de moins jeter donc de l'ordinateur justement et de composantes. Ça nuit vraiment beaucoup à l'environnement et puis ça serait vraiment important encore là pour l'environnement donc de recycler ces composantes et ordinateurs. En conclusion, nous sommes honorés d'avoir été choisis par votre coopérative Coopsco 3VR. Pour revenir au tout début aussi, avec toutes les solutions que vous nous avez, apportées, que nous vous avons apportées, nous espérons que vous allez les impliquer au sein de votre coopérative et que cela va marcher. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Merci.
peut y aller avec les questions. Ouais. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut Donc, vous avez parlé justement de d'offrir des rabais aux gens qui se présentent lors de l'Assemblée. Pour vous, quel serait le niveau de rabais ou un montant qui serait appréciable suffisamment pour que les gens se déplacent et que justement, ben, selon votre perception, ben, qu'il y ait des gens qui se présentent? Dans le fond, ce qu'on pourrait penser, peut-être commencer avec des rabais plus bas, mais peut-être noter donc le nombre de fois que les gens se présentent à l'Assemblée, peut-être augmenter le rabais, à chaque fois, bien entendu, mettre à un moment donné un maximum pour pas que les gens deviennent avec des rabais trop élevés, là. Mais par exemple, ça pourrait commencer avec du 5 % puis peut-être aller jusqu'à du 20 % quelqu'un qui vient vraiment très souvent aux Assemblées. Donc, parler justement de reconversion d'ordinateurs pour les usagers. Actuellement, Quartzco, dans le cas qui est mentionné, qu'on s'était départi de certaines activités, notamment justement tout ce qui est informatique. Donc, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une reconversion d'ordinateur, qu'on devrait avoir un autre service en interne ou faire des partenariats à l'externe, parce qu'il y a certaines entreprises qui font déjà une partie effectivement, mais on pourrait le faire aussi, je crois, peut-être dans les deux cas, puisque ça favoriserait peut-être pas les mêmes personnes, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Puis, à l'interne, dans le fond, ça serait peut-être plus évident pour les personnes qui sont sur place pour qui se le procurent ou pour le louer par mois, par année, ce serait peut-être plus évident pour eux de convenir à l'entente. Aussi, si je peux rajouter, justement à l'interne, peut-être juste le fait de racheter sans défaire les ordinateurs puis de les revendre, donc usagés à l'interne, par exemple, de l'UQTR, ça vous pourriez le faire, mais peut-être l'aspect composante des défaisages d'ordi peut-être plus à l'externe. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions?